L'espace détente du Casino Joa du Lac du Der a fait peau neuve. Dès maintenant, retrouvez plus de 60 références dans notre univers bar à vin et champagne. Venez vous détendre entre amis au sein de notre bar des sports en savourant une de nos planches à partager. Puis, passez un moment convivial et chaleureux au sein de notre restaurant. Cuisine savoureuse et de saison sont au programme. Votre Casino Joa du Lac du Der vous attend du lundi au dimanche. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce mercredi 23 novembre 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Après 2 ans d'absence, le cross départemental UNSS Haute-Marne s'est tenu ce mercredi à la base aérienne 113. Trophée des champions du monde 1998 ou sculpteur de l'espace en plus de 30 ans de carrière, l'artisan Jean-Pierre Surugue a confectionné de multiples créations originales. Et voilà pour les titres. La base aérienne 113 de Saint-Dizier, au travers de son service des sports en partenariat avec le service départemental UNSS de Haute-Marne, a accueilli le cross départemental UNSS Haute-Marne dans le cadre d'une journée sport armée jeunesse. Plus de 850 élèves étaient au rendez-vous. Regardez ce reportage. La 5e édition du cross départemental UNSS Haute-Marne s'est tenue ce mercredi 23 novembre au sein de la base aérienne 113 de Saint-Dizier. Un événement qui s'inscrivait dans le cadre d'une journée sport armée jeunesse. On a 5 départs exactement, mais après on a 10 courses puisqu'on regroupe certaines catégories. Donc ça s'échelonne de 12h30 jusqu'à 14h30. On enchaîne les départs toutes les demi-heures. Et en UNSS, on a la particularité de récompenser des équipes mixtes. Donc on fait des regroupements de différentes catégories, donc les Benjamins avec les Benjamines, et on fait un classement par rapport à ces deux catégories. Pareil pour les minimes, etc. Au total, plus de 850 collégiens et lycéens au Marnais se sont réunis. Cet événement a également permis aux militaires de sensibiliser les élèves aux métiers de l'armée de l'air et de l'espace. Ça prend une place importante au sein de la région, notamment pour la ville de Saint-Dizier. La base aérienne est très présente, et notamment avec les nombreux vols qu'il y a toute la journée. Donc on a essayé de réunir au travers de ces différentes expositions statiques l'ensemble des métiers qu'on peut rencontrer au sein de l'armée de terre, et notamment sur ce site qui est un gros site militaire dans la région Est. Malgré les intempéries, le départ des courses a été maintenu, mais cela a ajouté une difficulté supplémentaire au parcours. Je voulais voir si j'étais capable de faire le parcours. C'est dur. C'était dur, mais kiffant. Bah, parce que j'aime bien ça, l'adrénaline qu'on reçoit, quand on chie, c'est bien en fait. À l'issue de ces exploits sportifs, chaque élève a été récompensé. Les premiers de chaque course ont pu également monter sur le podium. Et passons à présent au chiffre du jour qui est de 5000. En effet, aujourd'hui, Elisabeth Robert-Dehaut a accueilli la 5000e personne à venir visiter Muse Saint-Dizier. Originaire des Troyes, l'heureuse visiteuse s'est vue remettre quelques cadeaux offerts par la ville ainsi qu'un bouquet de fleurs. Depuis plus de 30 ans, Jean-Pierre Surugue sculpte des œuvres d'art originales sur bois, pierre ou œufs d'autruche. Ce Marnais a d'ailleurs un palmarès bien rempli. Il a notamment renvoyé l'une de ses créations dans l'espace, un reportage de Manon de Fontis. On taille déjà au début, comme ça, vous voyez. Et après, on va lui donner la forme de la feuille, par exemple. Sculpture sur bois, pierre ou encore peinture, rien ne semble échapper à Jean-Pierre. Depuis plus de 30 ans, cet artiste fabrique et imagine des créations uniques, une véritable passion pour cet autodidacte. Je suis rentré dans un centre culturel, et dans le centre culturel, il y avait une trousse de sculpteurs. Et j'ai tiré un outil qui ressemblait à un tournevis. Et je me suis dit, la personne qui a fait la statue que j'avais en arpal sur la télévision, s'il a fait ça avec le tournevis, je vais être capable de le faire. Donc j'ai reproduit une statue grecque. Et c'est à partir de là, voilà. Pendant toutes ces années d'expérience, ce sculpteur a obtenu de nombreuses récompenses. Il est d'ailleurs chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, mais pas seulement. On lui doit notamment, il y a plus de 20 ans, les trophées des champions du monde de football ou encore la première sculpture sur œuf d'autruche envoyée dans l'espace en 1997. Un jour, j'ai eu un monsieur qui est passé. Il m'a dit « Je suis le directeur de la DASA ». Et moi, je lui ai répondu, je suis le président de la République. C'était une façon de rire. Mais non, c'était vrai. Donc j'ai sculpté, ils m'ont donné des dessins à faire.
Ils m'ont dit de prendre un dessin qu'ils allaient choisir eux. J'ai sculpté les symboles de la NASA. Ils sont venus le chercher, il est parti dans l'espace. Ça, c'était une aventure extraordinaire. Pour découvrir ces œuvres d'art originales, Jean-Pierre propose des visites de son atelier, situé à Larzécourt, à proximité du lac du Der. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et on se retrouve demain pour votre 15 minutes info. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Casuite, la solution collaborative éthique. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain sera mitigé sur l'ensemble de l'Hexagone avec des averses attendues par endroit. Côté température, on attend 20 degrés à Nice, 18 degrés à Bastia, 16 degrés à Toulouse et 15 à Bordeaux et Nantes. Du côté de nos villes et départements, un temps sec se maintiendra avec des températures fraîches le matin. On attend au meilleur de la journée 10 degrés à Langres-Verdun, 11 degrés à Chaumont, Bar-le-Duc, Vitry-le-François et Commercy, 12 degrés sont attendus à Saint-Dizier. Demain, jeudi 24 novembre, nous fêterons les Fiona et le soleil se lèvera à 8h12, nous faisant perdre ainsi 2 minutes de soleil. L'information continue sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile.